Et salut à tous, c'est Codex et aujourd'hui on se fait le pack Tiki, c'est parti! On va tout de suite acheter le pack. Alors, le pack. Ah non, il va pas être dans gratuit forcément, histoire. Alors, combien il coûte? 3,99€. Allez, on l'ajoute au panier, on paye et on se lance. Ok, on y va. Alors, jouer plus d'histoire et c'est parti pour le kit de niveau Paradis Tiki. Et Tiki Paradise, donc évidemment il n'y a qu'un seul, seul niveau, qui devrait être rempli de joyeuseté et autres features pour notre jeu préféré. Alors, passeport, on va choisir un passeport. Ah, vous croyez qu'on prend qui? Allez, on va commencer par Sackboy. C'est pas mal ce choix de sélection là, tu prends Toggle ou Sackboy, je suis curieux après de voir si c'est le même niveau ou si ça marche autrement. Ok, ouais non, ça, je suppose que oui, c'est le même niveau. Et là c'est Toggle qui pourra faire ça. Ok, bon on va commencer avec Sackboy, on va faire le niveau en entier, puis après on va le refaire avec Toggle pour voir ce que ça donne. Donc normalement c'est un niveau qui fonctionne un petit peu, vous savez, comme les anciens packs du style Indestructible ou plus récemment le pack de... mince, Adventure Time, où en fait c'est de la récolte d'assets, tout simplement. C'est super joli. À chaque fois, à chaque nouveau pack, je dis ça. Oh, mais c'est magnifique. Il y a plein de nouvelles choses. Oh là là. Est-ce que je vais être obligé de faire un niveau? Alors que je suis déjà en train d'en faire un actuellement. Très bien. Je peux marcher là-dessus? Oh, c'est pour Toggle ça. D'accord. C'est pour qu'il puisse rebondir sur la flotte et puis partir dans l'autre sens. Très bien. C'est pas très grave si je rate quelques bulles parce que je pense que je pourrais les rattraper avec Toggle. Donc ce sera pas problématique. Je peux grimper à l'arbre? Non. Très bien. L'eau. On va aller nager dans l'eau? Eh ben oui, ben on a bien fait. Ah ouais, faut vraiment que j'aille avec Toggle dans l'eau. Hein. Ah bah là c'est écrit Sackboy. Ah bon, je pouvais pas remonter avec Toggle? En devenant petit? Ah tiens. Ouais, bon je pense que c'est faisable avec les deux. Ok, on continue. Lance-plan. Très bien. Je vais où là? Je vais à droite, je me lance dans l'eau. Ouais, on va dire que c'est ça. Ouh, j'ai tué un poisson. Enfin, j'ai commencé à le tuer. Pourquoi je le tue? Il m'a rien fait, il peut pas me tuer. Ah, parce qu'il a une bulle à l'intérieur. Suis-je bête? Je ne l'avais point remarqué, sacripant. Ok, merci. Ah, attends, c'est pas tout. J'ai vu d'autres trucs là. Là, c'est pour Toggle, ok. Très très bien. Et là. Oh, les pics. Ils sont sympas, les pics. C'est des nouveaux pics, hein, je suis pas fou. Hop là. Qu'est-ce qu'il me veut, ce poisson là? Non, d'accord, il est juste là pour me gêner, très bien. Ils sont très bien, les pics. On va essayer de le faire en une vie. Le niveau, comme ça, j'aurai tous les lots d'un coup et je pourrai tous vous les montrer. Ce sera beaucoup mieux. Si je meurs, c'est pas grave, je referai une partie puis je vous montrerai ça. Ok, très bien. D'accord. D'accord. Jusque-là, ça se passe pas trop mal. Je peux aller par là. Ah, attends. Non. Je voulais aller à gauche. Ah, c'est pas grave, je ferai avec Toggle. Ouais, voilà, j'y voulais aller trop vite. Très bien. Ah, les stickers, ils sont d'enfer. Je suis passé devant des bulles là, je suis pas fou. Attends, je fais demi-tour, excusez-moi. Ah, c'est pour Toggle, ok, très bien. Très bien. J'aime bien la matière du sol là, orange avec des motifs sympas. Je dois passer dans la porte, d'accord, attends, on va regarder si c'est faux, mais ils ont pas caché des bulles là, non, on dirait pas. Très bien. Triangle. Ok. Ok. Oh, la petite fermeture éclair qui va bien. Ah, j'aime ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça va très bien que les matières de craft, ça manquait un peu, je trouve. Oh, oh mais c'est sympa, ça. D'accord, c'était une très mauvaise idée, ce que j'ai fait. Ok. Ouais, ah, ça va être compliqué de tout avoir, là. Oh là là. Comment je vais faire ce niveau en une vie du premier coup avec toutes les bulles, moi? Là, ça va pas être possible, là. Heureusement que je le fais deux fois, une autre fois avec Toggle et... Ah, la galère. Attends, on va prendre... Voilà, de la hauteur, c'est plus intelligent. Très bien. Ah, j'aime le coup du sable, là, c'est très chouette. D'accord. Ça, c'est encore pour Toggle, donc là, pour l'instant, inutile d'insister là-dessus. Par contre, ça, je peux le récupérer. Attends, voir, avant d'aller plus loin. Parce que, rappelons-nous que Toggle ne peut pas grimper aux échelles. Ce serait dommage de rater ce qu'il y a là. Attends. Dès qu'il y a un décor de premier plan devant le plan sur lequel je suis, je me méfie. Hein. On les connaît, ces petits fours de développeurs. Hein. Ah, les bambous, sympa les bambous. Un petit peu comme ceux de, comment dire, de Bob l'éponge. Les jaunes, là ils sont verts. Je pense pas que ce soit les mêmes, à mon avis c'est des bambous différents. Hein. Parce que les bambous de Bob l'éponge, on ne pouvait pas les changer de couleur si je ne m'abuse. Il y a des nouveaux instruments de musique, dis donc, pour faire des musiques séquencées, c'est pas mal ça.
D'ailleurs, je le répète pour ceux qui m'avaient posé la question de faire un tuto sur les musiques séquencées. Sachez que si vous n'avez pas de notion musique, hein, c'est complètement inutile. Donc voilà, je n'en ferai probablement pas. D'ailleurs, ça fait un moment que je vous ai pas fait de tuto. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si ça vous manque. Et plus précisément, si vous avez envie que je vous fasse des tutos en particulier, n'hésitez pas toujours à utiliser les hashtags prévus, codex tuto, etc., etc. C'est vrai que cet été, je vais avoir un peu plus de temps, même si je sais que l'été, il y a moins de monde sur YouTube. N'hésitez pas à m'en faire la demande. Je pourrais éventuellement vous faire ça. Et donc oui, comme je le disais tout à l'heure, je vais bientôt sortir un niveau quand je l'aurai terminé, un niveau de deux plateformes. Je ferai une annonce sur les réseaux sociaux, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre. Voilà, ça c'était la petite séquence corporate. Ok, alors attends. Ouais, et voilà, tu vois les décors de premier plan? Allez, il croyait m'avoir là. Attends, non, ça c'est pour Toggle, ok. Attends-moi! Très bien, et celle du haut, je l'ai comment? Comme ça? Comme ça, ça marche. Donc je peux vraiment pas y aller autrement qu'avec Toggle. On va partir du principe que non. Très bien. Bon, je prends les bulles pour la forme. J'aime bien ces petits mouvements de caméra qu'ils ont fait là pour les transitions entre les portes. Oh, on va choisir un véhicule. Ah, oh, vous me connaissez, hein. Le rouge. Oh, il est trop chouette, le lézard. Allez, raté. Dans l'autre sens? Ah, oh d'accord. Oh d'accord, alors attends. Donc là je ne peux pas passer, très bien, il faut que je trouve un trou. Là. Non, arrête, arrête, stop. Un petit peu dur à contrôler je trouve. Oh d'accord. Oh, c'est rigolo ça. Très bien, je mets les pépins sur la pastèque. Mince, j'en ai raté un. Très bien, et après je vais tourner le truc dans l'autre sens. Hein? Non? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je peux marcher dessus. Non? Comment j'ai fait? J'ai pas compris. Bon. Ok, donc là, il se bloque tout seul. Et donc, si je fais... Non, j'ai rien dit. Attendez, je veux juste savoir comment j'ai fait. Bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Très bien. Allez, on va récupérer les bubules. Ok. Allez. Ça va, ça se pilote bizarrement, ce lézard, mais c'est... globalement, ça marche bien. Très bien. Et il faut que j'aille où maintenant? Parce que là j'ai juste récupéré des bulles en fait. Faut que je redescende, non? Attends voir. Ouais, faut que je reparte en fait. C'est juste une petite zone bonus ça. Attends, je suis où? Bah écoutez, on va essayer d'aller à droite. Je me suis paumé, non? Ou alors j'ai pas vu un passage et vous êtes devant votre écran en train de vous dire oh mon dieu mes collègues, fais demi-tour. Ah mais non, c'est par là. D'accord, en fait le coup du toggle c'est juste pour les bulles qui sont au-dessus. Il va falloir que j'utilise le poids de toggle, très bien. Je sais plus, je suis pas encore mort je crois. Hein. Ouh là, ça ne saurait tarder. Waouh, 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 le cœur du volcan. Oh la lampe derrière, oh j'en ai une comme ça. Depuis que j'y suis tout petit, j'ai une jolie lampe de cette acabit. Waouh, allez, voilà, je suis mort. Ah bah tant pis. Hop là. Quand je le ferai en toggle, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement redémarrer le niveau. Hop. Comme ça, je vais essayer de ne pas mourir avec toggle. J'aurai un petit peu connaissance du niveau. C'est assez bien foutu, j'aime bien. Le mouvement est... le mouvement est fourbe. Saloperie. Ok. Ok. J'aurais un peu pris la température hein, du niveau. C'est ça que je voulais dire à la base. Quelque chose comme ça. Hop là. Tac. C'est de la bonne petite plateforme, hein, c'est bien, hein, j'aime bien. Non, ça c'est avec Toggle. Ils arrivent toujours à faire un level design relativement intéressant, quels que soient les packs. Et à chaque fois ça change, je veux dire, ils tombent pas dans le piège de la monotonie que peuvent avoir certains créateurs. J'ai pas forcément de nom en tête, mais vous savez, il y a des créateurs sur la communauté qui font souvent des niveaux extrêmement répétitifs de l'un à l'autre, vous savez pas trop pourquoi. Et merde. Simplement parce qu'ils ont un style qui leur est... hyper propre et ils ont du mal à s'en défaire. C'est peut-être mon cas, hein, j'en sais rien, je juge pas, mais voilà. Que je fasse gaffe à la vague. Ça me rappelle un niveau de Aladdin sur Mega Drive pour ceux qui connaissent et qui sont suffisamment âgés. Hop, où il y avait une vague comme ça qui nous poursuivait en tapis volant. C'était assez difficile d'ailleurs. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était difficile. Bref. Ouais. Ah, d'accord. Attends, il y a un truc caché ou pas? Genre là. Absolument pas, très bien. On vérifie, on sait jamais. Je vois qu'il y a des bulles devant, je suppose que c'est comme ça qu'on y va. Oui, c'est ça. Oh, sympa. J'aime bien ça.
On va essayer d'aller le plus à gauche possible. Genre ici. Très bien. Et comment j'y retourne? Oh, d'accord. Ok, faut que j'attende la vague qui arrive. Je prends le... Non, j'étais trop pressé. Mais quel nul. Oh. Et ben, quand je disais que j'allais mourir, je pensais pas que c'était aussi vrai. Allez. Tac. Très bien. Alors, on prend les bulles. Ils arrivent bien à jouer entre les plans. Hein. C'est vraiment pas mal. Les matières sont très cool, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous appréciez les nouvelles matières. Mais c'est un truc de ouf ça. Ah, mais c'est trop bien. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est génial. Ah ta 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 ta. Oui, ça glisse. J'ai juste cru, mais je ne pense pas au final, parce que ce serait débile, oui, qu'il y avait des choses cachées ici. Peut-être à mon premier passage, non? Je sais pas, je verrai. Ah, je l'ai raté. Bye bye. Très bien. On reste au milieu, on reste au centre. Ça doit être la fin. Yes. Ah bah de toute façon, pour recommencer le niveau, je dois forcément le relancer. Je pensais qu'on me proposerait de retourner au début sans forcément relancer le niveau pour le faire avec Toggle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se le refaire immédiatement avec Toggle. On a combien? 66%. Ah ouais, il m'en manque pas mal l'air de rien. Oh, le chemin doit être relativement différent quand même avec Toggle. Très bien, c'est reparti, on se le fait avec Toggle cette fois-ci. Je trouve ça pas mal d'avoir fait un niveau en fait qui est rejouable finalement, puisqu'on peut y jouer avec deux personnages. Contrairement aux autres niveaux de ce genre où on pouvait en fait n'y jouer qu'une seule fois, ramasser les bulles et puis après on s'en foutait. Là je trouve ça pas mal. L'idée est vraiment bonne. Ah ok, il y avait des trucs à gauche ou pas du tout? Pas du tout, très bien. C'est bien, je pense que le gameplay va être un peu plus dynamique avec Toggle. Parce qu'il y a de la flotte partout et du coup on va pouvoir en profiter. Tiens. Ah mais c'est plus du tout les mêmes bulles, dis donc. Oh. Ah, ils ont fait en sorte que si on jouait avec Toggle ou pas, et bien, ou avec Sackboy en fait, et bien les bulles étaient différentes. Alors attends. Eh oui, il faut tous les faire. Ah les petits malins. Là j'ai failli me faire avoir. Ok, très bien. Bah on va aller dans l'eau. Et là je pouvais remonter, on est d'accord. Ah non, d'accord. Eh oui, oui, effectivement, on ne pouvait pas. Alors, viens par là, toi. Ah! Des bulles! Ah, ça s'est remonté! Je me suis fait feinter! Il y a l'air d'avoir pas mal d'objets, c'est bien. Comme d'habitude, hein, il y en a. Je sais plus, il y en a. Plus de 200, je crois, on vérifiera ça tout à l'heure. Ah, ouais. Attends. Yes! J'avais zappé ça tout à l'heure, je pense que je pouvais le faire avec Sackboy, non? Alors, avec R1, ça. Faut que je fasse ça, voilà. Pas mal, j'aime beaucoup. Alors attends, petite bulle, tu m'as échappé. Ah, viens ici. Est-ce qu'il y a d'autres zones comme ça cachées là? Non, ça m'a l'air bon. En dessous, non, j'y étais allé, mince. On remonte, c'est pas grave, tout va bien se passer. Youp. Allez, sur la langue de la statue. Oh mon dieu. Attends voir. Ah bah oui, je vais être. Hop là. J'étais en train de chercher, mais mince, comment il fait Toggle pour sauter aussi haut? Bah oui, forcément. Allez. Ok, rien à gauche. Je suis toujours en mode je vérifie. Là. Alors, là, oui, voilà, j'étais en train de chercher. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a des bulles qui manquent. Attention. Oh, les saligots. Ok. Ah ouais, il m'en manque une, là. Ah, je l'aurais pas. J'y crois pas. Ah bah mince. Il y a une subtilité qui m'a échappé ou quoi? Bon, c'est pas grave. Hop là. Où est-ce qu'on atterrit? Oui, ça y est, je me souviens. Alors là, je peux aller. Voilà. À gauche, on va récupérer la bubule. On va prendre l'autre porte. Ça me va. Puisque tout à l'heure on était passé au-dessus pour se faire le coup du lézard. Et là on a quoi? On a un flipper. Ah d'accord, très bien. Pouf. D'accord, comment j'ai fait pour la faire aller aussi loin? J'ai tiré plus fort tout bêtement. Bah oui. Allez, carrément dans mes bras. Non? Ah d'accord, faut bien doser. Mince, bah les deux autres c'était au hasard. Hein. Ah mais t'es sérieux? Ça doit être par là à peu près, non? Même pas. Allez, encore plus. Non. Je me suis raté, bouge pas. Comme ça doit être pas mal.
Ah, sans déconner! Un peu fort, non? Ouais. Bon, je pense que j'y suis. Oh, c'est limite ça. Non, c'est bon, c'est nickel. T'as faut être précis. Ok, je les ai. Bon, vous avez repéré, hein, c'était. Faut que le bout de bois soit à peu près par ici, hein, si vous voulez choper les bulles. Voilà, très bien. On repart, on continue. Je crois que j'avais encore pas mal besoin de toggle par la suite. De toute façon, on a besoin tout le long du niveau au final. Comment je monte? Bah oui, il ressort. Ça, c'est intéressant, ce level design qui a été pensé pour deux personnages à la fois. Je trouve ça vraiment bien. Ça, vous voyez, les amis, si vous arrivez à faire ça, vous aussi, franchement, je vous tire mon chapeau. Si votre niveau est vraiment propre, n'hésitez pas à m'envoyer les liens de niveau. Si vraiment je les trouve cool, je les ferai en vidéo, hein, rappelez-vous. N'hésitez pas. Ok. Oh, d'accord. Comme dans le niveau avec... mince, avec Machine, là. Celle qui a la voix insupportable, vous savez, dans le scénario. Là. Dans le lagon de Boomkem. Ah là là, par contre, pour les choper, c'est... Oh, mince. C'est vraiment super dur. Ah, attends, voilà. On va essayer de les avoir à l'aller plutôt qu'au retour, parce qu'au retour, c'est infaisable. On peut tricher, hein. C'est peut-être peut-être pas plus mal. Ah, raté. C'est bon. Très bien. Qu'est-ce que ça fait si je grossis une fois dans la bulle, hein? Non, j'aurais dû faire ça. Très bien. Ouais, j'aurais moins galéré. Ça fait redescendre la bulle, en fait. Du coup, on peut jauger la descente et la montée. Ça aurait été peut-être mal à part. C'est pas grave. Ok, dans l'antre de la bête. Je suis mort, j'ai pas fait gaffe. Je crois que je suis pas encore mort, donc si je pouvais faire attention, ce serait pas mal. Je sais jamais si je meurs dans un niveau, ça m'arrive tellement souvent que... Wow, quand je ne meurs pas, ça me fait ça me fait bizarre. Bon là, le gameplay devrait pas trop changer, je crois. Wouh, j'ai failli mourir. Ok, alors si je descends là, j'ai des bulles. Non, c'est pas comme tout à l'heure où il fallait descendre sur chaque petite plateforme. Là par contre, hop là. Là, il y a quelque chose. Oh bah oui, il y a carrément un autre chemin, dis donc. Et oui, parce que Toggle... Ouh là là, Toggle ne peut pas escalader. Par contre, on va essayer d'activer le checkpoint parce que dans le... Voilà, dans le cas où je meurs quand même, ça peut toujours être sympathique. Je me suis jeté sur la vague. Mais quel boulet. Quel boulet. C'est pas grave. De toute façon, j'ai oublié une bulle, donc je vais devoir le refaire. Mais je ne vais pas vous infliger ça, ne vous en faites pas. Je vais le faire au montage pour que vous puissiez voir toutes les récompenses. Hop là. Je vais quand même pas refaire une troisième fois le niveau en vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais le refaire sans filmer et vous montrer la fin uniquement. Ok. Oui, il faut monter. Là, un petit coup de toggle. De gros toggle. Je suis pas gros. Hop là. Là, faut pas la rater. Nickel. C'est un ananas. Très bien. En fait, il suffit juste de se mettre au milieu et de pas bouger. Tout à l'heure, j'ai un peu paniqué, mais tout va bien. Je sais même pas si les vagues peuvent nous tuer sur les côtés. Je crois qu'elles sont pas sur le même plan. Parce que ce serait un peu bâtard, hein. T'as vraiment pas le temps de voir où tu vas. Ouais, bon, vraiment, il nous manque 2-3 bulles. Très bien. Alors, je me refais le niveau de mon côté tout seul en solo et en essayant de pas mourir. Et je vous montre les bonus de fin pour niveau terminé à 100% et niveau fait en une vie. A tout de suite. Très bien, je vous la fais courte. Voici l'endroit où j'avais oublié une bulle avec Toggle. Enfin, plus d'une bulle, même, il y en avait 3. Donc voilà, c'était en fait sous une plage, hein, tout simplement. Il suffisait d'aller sous l'eau, d'aller à gauche. Et avec Sackboy, il suffisait simplement de grimper l'échelle, vous savez, au moment où le sable monte, d'aller récupérer assez vite quand même la bulle qu'on avait ratée, et c'est tout. Et lorsque vous avez terminé le niveau à 100%, que vous en avez suffisamment bavé, voici votre juste récompense. Aucune vie perdue. 100% des objets collectés, comme on peut le voir à l'écran. Là, je parle pas en direct, hein, je le fais post-prod. Pie Fantasy, passeport et symbole en néon. Voilà, c'est tout pour les récompenses de ce pack Tiki Paradise. Et voilà, c'est tout les amis pour ce super pack Tiki Paradise. Ok, je sais, il coûte 4€, mais bon, dites-vous que c'est un temps de développement assez conséquent, rien que pour un niveau et tout un tas de nouveaux assets, donc bon, c'est un petit peu normal dans un sens. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, laissez-moi un commentaire pour vous dire si cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, soyez sages.